Et bonjour à tous, ici Vigo pour la suite de notre let's play sur nos 4 voleurs grand cœur. Là, le but c'était d'enquêter sur Kaya, mais maintenant que je suis à ce village dévasté, je vais peut-être aller récupérer le bandeau des ogres, les ogres qui sont là. Donc tout le monde va se mettre en hauteur ici. Ah, le jeu se fout de ma gueule. Ah! Ah! Ah, voilà, merci. Putain. Ok, alors. Voyons voir une petite seconde. Il a 87 HP, c'est pas possible. Caractéristique, initiative 1, en vrai il a une initiative de merde, du coup je pourrais pouvoir m'en sortir. Qui me voit là? Attendez, hop, on dégroupe tout le monde. On va les attaquer une fois, comme ça on sera tranquille. Mais ils ont tous d'HP, 76, ils ont quand même pas mal d'HP. Surpris. Pourquoi ça n'a pas déclenché une attaque d'opportunité? Ce jeu va me rendre fou. Normalement là ouais, coup critique. Voilà. Et il récupère ses deux attaques. Excellent. Wow, il a fait mal hein. 3. Ah, il n'y a pas l'attaque sournoise en plus, c'est pour ça. Ok, pas mal. L'ogre. Ah, je crois qu'il attaque corps à corps. Peut-être l'a fait un peu chier en le mettant ici. Peut-être un peu chier dans la colle. Ah bah il y a une échelle ici, parfait. Est-ce que je peux aller par derrière? Pas évident, évident. Ah, va falloir faire un grand tour là. Il n'est pas en combat en soi. Donc je suis plutôt tranquille. Juste espérer qu'il reste pas en combat. Ensuite je trouve un moyen de rejoindre ici là. Il y a une échelle par ici hein. Ah non, même pas. Peut-être que c'est la première potion d'invisibilité que je vais prendre. Ok, comme ça il va pas rentrer en combat mais il va pouvoir taper. Il y a combien d'armes? Oui, merde. Voilà. Combien de temps il reste? 6, ça va. Oh, 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 oh. Allez, encore un coup critique. Oh, yes. En soi, j'ai juste besoin de ça. C'est quoi déjà, flou? L'essence bien sûr d'attaque contre vous ne s'applique pas aux créatures qui ne se fient pas à leur vue ou qui peuvent percer à jour les illusions. Ok, donc ça en fait juste un désavantage. C'est déjà pas mal en vrai. Ok. Donc ce cher Kurz. Ah non, s'ils sont encore surpris, je peux peut-être le garder. Ah, par contre, je sais pas. Ah, non, j'avoue que si je fais péter le truc, si ça se trouve, le mec au-dessus, il va se faire niquer. Lui, il est toujours là. Il a quoi comme armement? Il a un arc, mais il serait mieux à taper avec ça, quand même. Mais pour s'approcher, là, ça va être... Ah non, c'est facile, en fait. Ah oui, non, vas-y, va par là. Allez, descend. Ouais, plus personne regarde, du coup, ça peut le faire, ouais. Ah,
Ok, la potion d'invisibilité a très bien marché. Je vais le mettre en double attaque là. Non, ah non, lui, j'ai peut-être pas envie qu'il soit en double attaque quand même. Voilà. Est-ce qu'il peut mordre? Il peut mordre. Ah, il mord un coup. Et hop là, encore une attaque. Ok, c'est loupé. Ça c'est fait. Lui, il peut pas trop. Attends, est-ce qu'il peut se cacher? Oui, il peut se cacher. Lui, pas besoin de bouger. Hop, hop. Ils sont encore l'état surpris. Non, ils ont plus l'état surpris. Ce qui fait que je leur fais beaucoup moins mal là. C'est vraiment le premier tour qui fait mal, mais sinon. Je vais plus faire de crit là pour le coup. Je vais d'abord bouger mes gars et après je vais. Enfin, taper avec mes gars et après je vais bouger pour taper ce truc. Est-ce que là je peux lui demander de taper la poutrelle? Quelle poutrelle? C'est ça qu'il faut taper. Je sais pas exactement ce que ça va péter, mais du coup, en attendant. Well, so much for peace. J'aurais peut-être dû empêcher le double. Bon, c'est pas grave. Reviens par là. Tour. D'abord lui. Lui, il a bougé. Ok. Tour. Toi. Toi, il est en danger du coup. Tu dois pouvoir faire une attaque sournoise normalement. Ouais. Et elle fait mal en plus, son attaque sournoise. Ça. Ça va pas le tuer, mais. Ah, peut-être que. Ah non, non, ça fait pas ça. Ouais. Un HP. Yeah! Et toi, te loupe pas. Je m'attendais à ce que ça fasse des dégâts, en fait. Je suis un petit peu dégoûté, je l'avoue. Ah ouais, merde. Ah ouais, merde. Le fait qu'il survive un petit peu plus longtemps, ça casse un peu les houilles. Quand même mal, mais hop, ça a marché là quand même. Ouais, ça marche, mais dans le doute, c'est ça le souci. C'est qu'au bout d'un moment, les combats longs vont vraiment me foutre dans la merde. Heureusement que je fais des crits de temps en temps. Mais... Putain. Oh yes, le coup critique avec l'attaque sournoise en coup critique. Oh, ça c'est bon ça, les doubles crits là. Miam miam miam. What's inside? Ah, ça ça fait plaisir. Et toi, tu vas enfin arrêter d'être con. J'ai tout pris de l'hump. Ah, ça fait plaisir. Someone's diary. I might explain what happened here.
Non. Vieux livre d'école. Non. Ok. Je n'ai rien appris. Vous deux là. Il est où Glut? Il est la Glut. Lancer. Merde, j'ai plus de potions. Enfin, j'ai pas bien divisé mes potions. Allez, hop. Scindé. Ça. Envoyé à Astarion. Astarion. Astarion lancé. Voilà, encore une petite. Nickel. Let's move. Allez hop, ça c'est fait. Est-ce que je m'occupe du truc de Kaga maintenant que j'y pense ouais. Donc j'y suis. Non c'est... Attends. Je suis en train d'aller dans la mauvaise direction ou... est-ce qu'il faut que je descende par là? Par où je vais pouvoir... Je descends par là, nanana. Ouais, je crois que je suis en train de prendre les... Ouais. Fallait que je monte par ici, que je descende le long de la... Le long de la côte. Et après, je pourrais m'occuper du e-bourse. Ou alors, je peux m'en occuper maintenant. J'ai bien envie de me débarrasser de ça maintenant, comme ça c'est fait. Je vais me débarrasser de ça maintenant. Il y en a un qui peut infliger imprécation, c'est lui. D'ailleurs, un petit truc... Hein, toi, ces tests de caractéristiques, donc pas les jets de sauvegarde en soi. Non. Voilà, ça c'est au cas où, je sais plus à quel moment je dois leur parler pour être sûr de les convaincre d'y aller, mais. Ok, c'est juste après. Donc. Alors là, déjà, tout le monde, comme ça. Merci. Bon, peut-être pas tout de suite, mais à bientôt. That stench. Dead Albert prey, no doubt. These boots have seen everything. Ok. Alors, on va décomposer absolument tout le monde. Toi, je sais pas exactement par où tu vas passer. Non, c'est Astarion qui va être le premier à engager le combat. Pour ça, je vais faire tout le tour. Et ça, je m'en occuperai juste après. Alors, ours hibou, ça va pas être évident. Combien d'HP? 107. Ok. Hop, 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 hop. Ok, donc ici elle voit. Très bien. Oh putain, c'est risqué. Je vais attendre. Je vais attendre qu'elle se mette par là. Voilà. Putain, le jeu. Vous savez quoi, je vais commencer là. Pour être sûr. Je peux lui envoyer direct un... Je peux envoyer direct une bastos. Donc... Ok, oh, parce que j'ai l'impression qu'il le fait pas tout seul parfois. Normalement, là, elle sera surprise. Surpris, excellent. Excellent. Ah, eux, ils entrent en combat automatiquement. Pas mal. Voilà.
Déjà, même en étant surpris, il appelle quand même le... Là, je pensais qu'en étant surpris, elle appellerait pas le compagnon. Oh, c'est relou. Alors... C'est là qu'il va falloir faire attention. Alors, vous opposez une marque sur une créature pour l'identifier comme votre proie. La cible subit un 6 points de dégâts lorsque vous la frappez avec une arme. N'importe quelle arme. Normalement, ça passe là. Ouais, ça passe. Donc... non, on va même faire ça. Non, ça demande à être au corps à corps. Tire dans la cuisse. Non. Ok, 15. 1, modificateur, 5, 1 des 6 perforants par la bague du chasseur. Est-ce que ça compte là-dessus? Non, ça compte pas avec. Ce serait fort en même temps si ça comptait avec. Ok, elle. Ok, lui, je vais devoir lui demander de faire tout le tour alors que ça va être un peu long. Est-ce que lui, je peux lui mettre par contre un truc béant? Parce qu'elle est quand même jet de sauvegarde de constitution. Elle a 17 de constitution, je sais pas si ça va passer. Mais blessure béante, c'est pas mal. En dehors de la portée normale, on va avancer un peu. Ok, c'est pas passé. Ah, j'ai pas mis en attaque double le con. Oh non, sérieux. Elle a quand même blessure béante. Je sais pas qu'elle aurait quand même blessure béante. Toi, tu vas devoir faire le tour. Lui, je veux qu'il attaque au cac. C'est pour ça qu'il fait le tour. Ce que j'espère maintenant en fait, c'est que le daron, s'il saute, ce soit qu'il saute pas sur moi. Et un peu à cause des deux autres là, c'est un peu mal placé. Ça devrait passer. Et voilà, ça meurt. Est-ce que je peux toucher le daron ou pas? Ou il est placé vraiment comme de la merde pour moi? Ouais, il est placé un peu comme de la merde. Time to press ahead. En un tour, j'ai pu la buter. Ça fait... C'est le genre de performance qui fait plaisir. Ah, il est juste un peu trop loin. Ah, si je peux pas le toucher, je vais rester caché alors. Je vais mettre par là. Là, j'aimerais bien qu'il puisse taper aussi. Je vais essayer de me mettre par là. Ah, lui, en fait, je vais essayer de les mettre en hauteur. Eux, je les connais, ils vont juste essayer d'attaquer le. Ah non! Ah non, ils sont pas complètement cons. D'habitude, ils ont tendance à. Ouais, à focus que le bébé. Mais là, ils ont décidé d'être moins cons. Ok, j'aimerais voir si. Après, si je me débarrasse du bébé. Horrible ce que je dis, j'adore. Into the bloody fray. Pour cacher, hein. Si l'on dehors. Ok, c'est pas mal. Non. Come on. Est-ce que je peux réappliquer ça sur lui là? Cible trop éloignée. Oh, c'est chiant.
Je vais essayer de tous les cacher. C'est un peu un tour dans le vide, mais... Ah, trop mignon. Yes, c'est bon, ils sautent sur eux. Alors, lui. Frappe perforante, c'est au corps à corps, ouais. Normalement, ouais, l'oursibou est menacé, ce qui veut dire que même ça, ça devrait marcher. Ouais. Donc on va lui donner une petite frappe perforante. Et blessure béante a fonctionné, bordel. C'est-à-dire que je fais un plus 2 à chaque fois que je le tape maintenant, normalement. 6 points, plus 2 de blessure béante. Excellent, ça. C'est très très bon, ça. Toi... Et normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne, du coup. No time for mercy. Ouais, le problème c'est la rage, parce que normalement il devient avec ça, ouais, ça il devient résistant aux dégâts perforants. Et ça c'est pas bon. C'est pas vraiment cool quoi. Pour... Non, ça va provoquer une attaque d'opportunité. Après, est-ce que je suis vu là? Je me cache, ouais, donc sous ses yeux quand même ça va peut-être pas passer. Mais je vais mettre en hauteur. Comme ça il va s'attaquer que à Brianna là. Toi, t'es caché, toi, ou t'es pas caché? Ah, il prend beaucoup moins cher, là. Avec sa résistance. Ouais. En espérant que les deux loustiques là, ils vont faire des trucs. Putain, faut vraiment que tu t'attaques que à lui quoi. Et ça marche pas. Ça va peut-être tenir un tour, toi, si tu bougeais pas aussi. C'était sûr qu'elle avait aucune chance de tenir. Oh shit! Oh shit, 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 shit. Can't even catch my breath. Elle est pas menacée. Ok. Tac. Faut que toi tu viennes à peu près là. Toi tu te mets là. Et là normalement, c'est bon. Oh, il a fait une attaque double. Je lui ai pas demandé de faire ça. Oh, coup critique, yes. Ça, ça fait plaisir. Cela met un sourire sur mon visage, comme on dit. Un tir qui la blessure béante, il prend vraiment pas cher. La marque du chasseur, elle fait plaisir là. Toi, tu peux taper deux fois normalement. Ouais, tu peux taper deux fois. Du coup, normalement, attaque sournoise. Attaque sournoise. Yes! Yes!
Est-ce qu'il y a un mood où je le finis Andric? Et du coup, l'oursibou, il survit. Et je le récupère. Ou je laisse l'oursibou mourir. J'ai bien envie de récupérer son stuff. Et puis comme ça, il rejoint sa sœur. Bonne merde. Mais c'est pas vrai, les gars. Mais touchez-le, voilà, merci. Un 11, voilà. Putain, je me suis démerdé sans me faire toucher une seule fois. Il y a juste eu le bon qui a failli m'avoir, mais à part ça... Est-ce qu'il veut encore se battre, le ptio, ou il va bouffer sa mère? Non, je crois qu'il veut encore se battre. Bon, dommage. On va le laisser libre, moi, mais bon. Ce combat s'est déroulé vraiment sans accroc. Presque fier de moi. Je suis assez content. Ça aurait pu se dérouler vraiment très très mal, et ça s'est très bien fait. Le fait d'avoir contacté les deux, puis... Les gens veulent que tout le monde soit un 6 points de dégâts, et puis soit je touche quand tu m'affiches un 6 points de dégâts de... Ah. Ça aurait pu se dérouler vraiment très très mal. Allez, maintenant on va résoudre cette petite énigme là. Rapidos. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. What's that? A prayer sheet with the same symbol as the one on the chest. Et là, au cas où vous savez pas comment résoudre cette énigme. Il suffit de lire la petite prière devant le coffre et il se libère. Quand le porteur de ces imprimés moments, il ne pourra plus d'attaque d'opportunité. Ah, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui pourrait. Tiens, Astarion ou lui. Ouais, ça arrive pas souvent qu'il ait moins de 50%, mais bon. C'est celui qui fait des cris. Attends, ça dit quoi exactement? Ah non, c'est il provoque plus d'attaque d'opportunité, donc ce sera plus simple pour lui de fuir, justement. C'est pas mal. Ok, bah c'est fait, cette grotte. Du coup, là, on va pouvoir enfin aller voir Kaga. Non, pas aller voir Kaga, mais aller régler sa quête. Il se déplace pas, c'est con. Ah, il est cucu, hein. Ma chérie m'a fait chez Cookie. C'est meilleur. Je peux aller par là. Attends. Non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Merde. Non, faut que je passe par où déjà?
par là. Attends. Pas par là ? C'est par là. Donc je me trompe, putain. Une chance que je me trompe. Alors, je vais faire sauter avec feuille morte. Hop, là. J'arrive là comment? Ah non, faut que je passe par le village. Par là. D'ailleurs, toi, combiné ça avec ça, ça va me servir. Vision de l'absolu. A une chance d'aveugler la cible, inflige 2 12 points de dégâts perforants supplémentaires à certaines créatures ayant plusieurs paires d'yeux. Ça, cette arme, elle est du coup très puissante. Contre l'araignée. Donc, dès que je vais me retrouver face à l'araignée, c'est un des premiers trucs que je vais lâcher dans la gueule avec mon orc. Careful. Hand over. Enough. Where is she? Bollocks. Bollocks. You were supposed to rush to my defense. Some advice. You ever darken my door? Bye bye now. Bloody hell. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. Bonne chance. Thank you. The hell's with that? We don't need luck or bloody help. J'ai envie de voir comment ils se font tuer eux, si on arrive à le voir. D'ailleurs, je vais aussi m'occuper du chasseur de monstres qui veut se faire... qui veut se taper Astarion. Allez hop, ça dégage. Normalement, je vais retrouver leur cadavre. Voilà, juste là. Et je vais prendre le point de TP, ce sera plus simple. Ouais. Be ready. Whoever or whatever did this could be close. Parce qu'en soi, je veux pas me faire tati tout de suite. C'est un Gandrel. Ça fera de l'XP en plus. Ah, strange. You catch a waft of something foul. Powdered iron vine. You're a monster hunter. I'm surprised. I thought all Gur were vagrant cutthroat. And more. We steal chickens, curse your crop. I wish I had half the power settled folk think, a simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Something terrifying, no doubt. Nothing so dramatic. Un rejeton de vampire. But I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out. If I can afford her blood price. Not this time. Oh. And bring him with Baldur's Gate. My people wait for me there. Bonne chance d'entrer. Thank you.
May your road be. Mmh. Alors. Évidemment, nous sommes du côté de ce cher Astalion, ce qui fait que. Désolé, mon vieux. Oui, surpris, voilà. 85 HP, je pense, avec des crits, ça devrait passer. Mm. Oh, chanceux. Ça c'est terminé, ça. Tu fais plus mal avec quoi, toi? 6-5, 5-5, ouais, c'est avec les arbalètes. Ha! Oh la vache, putain de merde, ça fait mal. Putain, mes deux assassins là, tabasse. Lui, il va tabasser encore plus fort. 12. Ok, non, lui, pardon. J'ai récupéré une arbalète qui avait pas l'air nue à chier. Oui, on va voir, arbalète. Mais si, un avantage contre les ennemis de type monstrueux. Ah bah. C'est parfait, ça. Je peux pas en servir. You have... I like it. Hmm. Mm, not anymore. Which is all that matters, really. Oh, there'll be others. If Cazador sent one peon after me, he'll send. Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And it was him, I'm sure. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died. Well, he didn't mention this. And now he sends a Gur monster hunter. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, he can reach me. And he wants me concerned. He can change shape, turn into mist. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Yep. You don't understand. Just trust me when I say we need to be careful. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on. Très bien, cher ami. More for me. En attendant, je veux profiter de cet endroit tant qu'il est beau. Et pour ça, on va aller là-bas. Ah putain! Quel con. Et en plus, je l'ai fait passer devant. Oh, ça suffit là, c'est bon. Hémorragie, voilà, deux dégâts par tour, c'est bon, c'est fini. C'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Est-ce que tant que j'ai pas découvert le truc, c'est... Softer than a whisper. Vous voyez pas que tant que j'ai pas découvert l'endroit, c'est safe. Never wanted the easy path. Ah non, voilà, merci. Ok. Je vais avancer à peu près par là. Là, je devrais être capable de tirer une bonne fléchasse sur lui là. Et normalement, surpris. Le surpris, il est voilà. Il est surpris. Ok. Still breathing. Du coup. Despite everything.
J'ai perdu beaucoup de vie à faire le con, ouais. Ok. Le but de celui-là, ça va être de buter les petits tas de merde. Ce que je veux éviter, c'est qu'ils se reproduisent, parce que c'est surtout ça qui est chiant. Lui, il va se mettre en hauteur. Tant qu'ils sont surpris, je devrais pouvoir bien me démerder. J'ai cru que c'était un cachet. Ok, alors, t'es armé de tes arbalètes, tu vas te mettre en double. Normalement, vu que lui il est surpris, il devrait crever. Raté! Putain. Parce qu'on a HP, un HP, ok. Je pense qu'une petite main secondaire devrait suffire. Excellent. Là, toi, tu dois être un peu loin. Ah, non, même pas. Je vais le mettre là. En coup critique, parfait. On va enchaîner avec Kers. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire le Kers? Lui, il a 12 HP. Lui, il a un HP. 10 HP. Ce qui est chiant, c'est que... Ouais, je pourrais pas le faire attaquer au corps à corps parce que les bestioles elles explosent donc. Raté! Les gros tas, les guettes des bois là. La vie, ça va être compliqué de les tabasser. Un ici. 4. Oh, je croyais qu'il y en avait. Qu'est-ce qu'il y a lui ? En train de pourrir. Ah. Oh. Après, ça va, vu qu'ils sont encore surpris. En vrai, c'est pas trop un problème s'il en reste autant. Voilà, c'est crevé. Need to find a way forward. Sometimes the only way out is pas fin de tour. Annuler fin de tour. Caché. Lui fin de tour. Toi, tu peux te mettre là. Ah, il est loin, la vache. Pour l'instant, toi, t'es déjà caché. Il est déjà caché. Ok, moi il faut juste que je bute ce truc là, le bout ancien. Eux, ça sert à rien d'essayer de les taper. Ils font trop de dégâts, donc en vrai, je devrais peut-être plutôt dire à mes gars de courir. Let's go. Another step forward. Attends, que j'ai prévu pour attaquer lui? J'ai prévu personne pour attaquer lui en fait. Astarion, à part Astarion, j'ai personne en fait pour attaquer lui. Je me rends compte que j'ai peut-être un peu merdouillé là. Swift as my feet can carry me. Hmm.
J'ai un peu merdouillé là. Je l'avoue. Breathe deep and move. I just want a little look. Ok, parfait. Ok, nickel. En plus, ça a touché lui. Il est vraiment caché. Caché-toi, t'es caché-toi. J'arrive pas à voir. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, on va passer de l'autre côté tout simplement. Couvert. Courir, disais-je. Fin de tour. Lui, tu récupères ça, ton pied. Tu vas faire pareil, oui, tu vas courir par là. Le but, c'est de les faire sauter, comme ça les deux troncs pourront plus du tout m'attaquer. Non, pas ça. Ça, comme ça après il peut sauter. Bon, il s'est fait voir, pas grave. Il a plus assez de vitesse de déplacement pour sauter, merde. Attends, non. Et caché. Toi, tu peux passer là. Oh, j'y vais pas courageusement, hein, clairement. Pas con. Hop là, ça en fait déjà un save du bon côté. Ok, je dois sûrement pouvoir lui envoyer une petite bastos. Et reculer. Voilà. C'est surtout les boueux qui posent problème en soi. Hop. Je vais faire la connerie. Shit. Bon, cache-toi. Ouais, je suis plus tout caché là. Bon, c'est le moment où on va devoir les buter à petit feu. Ça va être long, mais ça va être long. Il résiste à quoi exactement? Parce que... Il résiste à tout. Il n'aime pas le feu. Peut-être balancer du feu avec Starion. Des petits Ignis. Bon. Pas bien grave. Après, ils sont dans l'eau. Donc, bon. Voilà. This is
Ça va être long, hein. Mais bon. Ils peuvent pas sauter. Non, oh, c'est pas vrai. Les deux. Peut-être essayer au moins de sortir de la zone, je suis peut-être couillon. Hein. C'est vrai que j'ai pas fait d'effort. Y a plus de liane ici. Y a plus de liane ici. Yann. Faut que j'ai de la place pour l'autre aussi. Attends ici. Si ça passe là. Parfait. Voilà. Ça devrait au moins rendre le truc un peu moins... Un peu. Still on my feet. Oh la vache! C'est long! 45%! Ça devrait pas être si long avec 45% de chance. Oh, je vais y passer du temps. Oh, j'y passe déjà du temps. Échec critique, mais vous foutez de... Ah, merci! Ou de même. Well, so much for peace. Behold the dance of death. Allez, j'ai pas envie d'utiliser mes flèches de feu sur vous. Se cacher, non, absolument pas. C'est quand même, non. Nice. Mais c'est quand même, non. Encore un petit coup. Coup critique, oui. Sur ça. Ah! Just out of view. Ah, merci. Allez les gars. J'ai presque envie d'en mettre un au corps à corps, comme ça au moins il y a un potentiel de faire des attaques critiques, mais... Ça risque de faire mal, autant garder un peu de vie. Ça
pas caché là. Time to push my luck again. Bon, ouais, c'est ça, hein. Si il regarde pas partout, ça devrait le faire. Ici, est-ce que je peux le toucher d'ici? Je peux même pas le toucher ici. Oui, je peux le toucher d'ici. Bah du coup, hop. Ah, si j'étais moins con, j'aurais fait ça dès le début. Voilà, ça va être un poil moins de temps. Moi, avec une attaque sournoise, plus ou moins le double des dégâts. Voilà, putain. Ah, c'était long. C'était beaucoup trop long pour ce que c'est. Ce bouclier, personne maîtrise le bouclier, du coup ça dégage. Alors, on va s'occuper de ce dont on doit s'occuper. Le but là, ça va juste être de récupérer. Starion, tu restes là où t'es, c'est pas grave. Là, sur un coup, buteur d'une attaque à main nue, le porteur gagne deux charges de foudre. Faut que ce soit main nue. Oh non. Voilà. On prend ça et on dégage. Et en plus, on a un truc ici. Ça. Here goes nothing. Je mettrai une petite potion sur tout le monde avant le combat. Ce sera quand même plus propre. Ah, ça fait plaisir. Ça. Là, ça marche le fait de prendre tous les objets. Ils l'ont vraiment enlevé juste pour la vente, c'est con. C'est con, ça fait perdre un temps considérable. Et une fois que j'ai fait Kaga, je pense qu'après je m'occupe de l'araignée. Ah non, d'abord je fais le village quand même en entier. Et après je m'occupe de l'araignée. On va tous se mettre bien comme il faut, parce qu'il faut... On va mettre une bonne grosse potion sur tout le monde, là il faut que ça passe. Ah putain, ça va. Ah, j'arrive à pas. Tac. Est-ce que ça touche tout le monde, incluant moi? J'ai peur de plus être dessus. Là. Ouais, c'est bien ce que je craignais. C'est pas grave, je m'en prends une pour moi aussi. Hop. De toute façon, je peux en repiquer. Mais c'est vrai qu'il faudrait plus que je profite des... Bon, après le combat avec Kaga, à mon avis, j'essaie de prendre le moins de long repos possible parce que ça coûte des provisions de camp. Et c'est pas comme si j'en avais un nombre infini non plus. Déjà, on va vendre ce qu'on a sur nous aussi, ça fait de l'argent.
Et une fois qu'on aura fini avec Karaga, on va pouvoir finir cet épisode. Seems like a good moment to talk. Well met. Is there anything you need? Just some bits and bobs I no longer need. Alors, je vais quand même faire le test. Ouais, non, vraiment, ça marche plus. Ça marche plus. Il y a combien de sous d'ailleurs, lui? Parce que je suis en train de lui donner des trucs, mais il y a combien de fric? 234, ok, il n'y a pas non plus beaucoup de fric. Ça, je garde. Ça, c'est pour les attaques à main nue, je vais jamais en faire. Ça, je garde. Le bouclier, je maîtrise pas, donc ça sert à rien. Ça, je maîtrise pas les armures intermédiaires, donc ça dégage. Ça, ça dégage, ça dégage. Lettre, page de prière. Il y a 234, donc. Est-ce que je lui achète des trucs à bouffer? Cher, la vache! Ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, je vais juste vendre comme ça. Et le reste, je vais aller vendre à. À Damon. No helping it. We're exposed now. Seule chose qui manque là tout de suite, c'est un. Thanks for fighting off those gobs. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Eltaro. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ça je garde, ça je garde, ça je garde. Je pense que je dois avoir des trucs du côté lac, caillou. Ça. Ah, la petite masse d'armes, on sait jamais au cas où j'ai besoin de taper avec. Avec des trucs un peu plus balèzes. Il n'y a pas de arbalète lourde, arbalète légère. Il n'y a pas d'arbalète de points, hein. Là, il n'y en a plus, j'ai tout pris. Ouais, je pense que j'ai tout. Armure d'écaille, je peux pas servir. Allez, donne ton fric, animal. Persuasion plus 7, réduction moins 30%, c'est pas mal. Et je me rappelle, y a pas un petit truc ici là, je vais pouvoir toucher le choix. Là. Allez, rien que pour être sûr. Enfin, les gants du vol, ça c'est l'une des meilleures acquisitions. Je sais que de toute façon, à un moment je vais. Comment est-ce que je peux interagir avec elle? Comment dire, je sais pas trop comment je vais interagir. Il y a une armoire par ici? Pourquoi j'ai une clé d'armoire? Ah voilà, armoire d'alchimiste. Bon, elle, elle est paralysée normalement. Mais je sais plus pourquoi elle se réveille ou elle se réveille pas. Je crois qu'il faut que je trouve un rat ou une conne comme ça. Allez, occupons-nous de Kaga. Je. Depuis tout à l'heure, je fais tourner le truc en rond, mais c'est elle donc il faut que je. Que je suis en train de me déplacer. Alchimie. Ouais. J'ai récupéré beaucoup de certains aimants, mais pas de beaucoup. Ouais. Still in control. Just. Ah! C'était le temps que le truc se fasse, ok. Ok, bon, mon jeu prend quelques longueurs. Alors, maintenant que je sais ce qu'elle fait. My right,
séparer tout ce beau monde. Toi, tu vas aller... Oh, tu vas rester avec Astarion. Toi, tu vas pouvoir monter là-haut. En vrai, je vais juste mettre tout le monde en hauteur et... Still in control. Just. I should speak up. Go on. Say it. You think I'm... What? Et hop là. Nous dévoilons les choses. It's just... Koga. You think yourself quite the spy, don't you? Halsin, you and I... You... Oladin speak... The choice is... As you say, Oladin. Et là, on va la persuader. Après, je pourrais aussi faire une petite détection de pensée. C'est vrai qu'avec assistance, marque du métamorphe, le fait que j'ai une intelligence de plus 4 grâce au bando. Je sais même pas comment je peux avoir plus 4. On va essayer. Parfait! With the grove taken for Cloakwood, the circle will see that I'm right. The Great Mother will guard us from all danger. I... Yes. Sylvanas demands we illuminate... Was I so careful? I belong to... Parce que sinon, c'est deux tests de persuasion à faire. Un de 15 et un de 10. Du coup, faire un seul comme ça, c'est pas dégueu. Alors... Pour assurer le coup, je pense que le mieux, c'est de se mettre là. Hop. Avec une arme. Du coup, normalement, ici, je peux... 9, lui il a quand même 46, lui il a combien? 39. Oh là, le double crit là il fait plaisir. Ok, toi tu vas aussi faire une petite attaque sournoise sur lui. Oh, j'ai même pas mis en attaque double, il a fait ça de lui même ce con. C'est pas bien grave. On va se mettre là, dans le tour. Lui, normalement, tu dois pouvoir attaquer ça. Holodan, c'est ça? Ouais, Holodan, oui, c'est là, c'est ascension. Je sais pas que je t'appelle. Ça m'évite en fait d'utiliser Ami sur Kaga, ce qui pourrait la rendre colérique. Fin de tour. Toi. En double. Toi. Cible en dehors, cible en ennemi. Si je me mets là, ça va dire quoi? Ok. Attaque sur... Oh, attaque sur noix, ça peut faire tellement mal. comment il peut faire ça? Avec une attaque supplémentaire. Enfin, je veux dire une action bonus. Ça, heureusement que j'ai quand même pas tout seul. Qu'on peut retourner Kaga parce que putain c'est clairement pas l'ennemi le plus faible. On va commencer par le blaireau. J'ai pas... Pourquoi tu attaques deux fois? Pourquoi est-ce qu'il attaque deux fois à chaque fois? Je lui demande jamais d'attaquer deux fois. Tac. J'ai pas eu là. Je veux bien que j'ai pas l'avantage, mais normalement je devrais au moins le fait qu'elle soit entourée d'ennemis. Ah, ou alors il est pas considéré comme entouré d'ennemis. Allez! Tu peux arrêter ton truc là, on va se
cramé le cul avec ça. Wrath thought me a danger. Seems I've proved. I was thinking I could make a safe. I endangered a child. My fate lies with Sylvanas. Nay, we will grant them. Meanwhile, help us contend with the goblins. Perhaps we. You have saved Korga from. Alors, faut savoir que lui, s'il meurt, il drop un truc. Donc, comme je suis. Oh putain, c'est pas vrai. Enlève ton. Enlève ton truc, toi. Breathe deep and move. Je sais pas trop comment je vais faire, mais lui, je peux lui piquer un truc dans ses affaires, et elle, je peux aussi piquer des trucs. I hope to see House, please. If you. Oh, merci, putain. L'avantage chez lui, c'est ça, la rune du loup. 4. Avec un avantage, ça va le faire. Quoi ça ? Peut-être adressé à Kaga. Ah, c'est ce que je lui ai passé. Ça, petite longe de porc, c'est du bonus. Normalement. Déjà, je dois récupérer le. Ouais, ouais, non. La raison pour laquelle je récupère ce truc, vous ne sachiez pas. Putain, non, j'ai récupéré le truc ici. Donc, ça veut dire qu'il. There's a pickpocket operating nearby. You feel the arrow of your honesty. Alors là, c'est là que je dois mettre ce que je viens de récupérer. Ceci. Hop là. Normalement, en ouvrant les 4, il devrait se passer un truc. J'espère, sinon j'ai l'air un peu con. Et voilà! Putain, j'avais fait un combat parfait, il a fallu qu'il y en ait un qui se mange ça. Quoi. Attends. Les ménestrels, les druides de l'ombre, l'ordre de Clure, les tribuns de la nuit. Ok. Chagrin, c'est ça. 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 Alors, l'arme que je viens de récupérer, elle fait quoi déjà? Je crois qu'elle ne me sera pas très utile. Ouais, je peux même pas l'utiliser. Donc, pareil, ce sera un truc à lancer. Envoyer la vente. Et tout ça, on peut l'envoyer au camp. Hop. Oh oh. Robe de l'été. Oh, ça par contre, je chiette. Il y a du fric en plus. Résistance aux dégâts de froid. Voyez-vous ça. Une petite seconde, excusez-moi. Ah, voilà. Alors maintenant on peut continuer. J'ai l'impression qu'on m'a volé d'un parasite, si j'ose dire. Par contre, il y a plein de trucs à récupérer ici, non? J'ai envie de dire, si personne m'en empêche, c'est que ça devait être volé. Ouais, là je prends trop de temps par contre, je vais finir l'épisode. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis ciao à tous et à la prochaine.